Français, très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et maintenant, l'hymne national de l'Angleterre. D'après nos informations, on devrait donc jouer en 5-4-1. Votre avis, Darren ? Bon, c'est rare de voir une équipe aligner une défense aussi renforcée. Mais à mon avis, ça pourrait cacher autre chose. Je pense que les deux latéraux, par exemple, seront assez offensifs et qui tenteront de participer aux attaques dès que possible, en venant apporter des solutions sur les ailes. On va voir ce que nous réserve ce match. Il joue sur sa gauche. Oui, c'est ça, oui, ce sera un corner. Oh, très bon ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Peut-être une occasion pour ce Thiriou. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Sancho maintenant. Arnold. Il va au duel. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Bien, la profondeur. Ça peut partir en contre. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Rashford ! C'est une occasion, ça ! Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Quel timing dans l'interception. S'il le trouve... Oh, voici Kane. Ça sent la frappe. Rashford. C'était un bon tir, mais le gardien a eu la main ferme. Winks, qui est récompensé de son pressing. Qui est le premier sur ce ballon? C'est repoussé. Longue passe vers l'avant. Winks qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Un ballon dégagé très loin. Faut tirer là. On la frappe. Henderson qui centre. C'est dégagé loin devant. Ça passera sur le côté. Un centre encore.
Et le danger est écarté. Le tableau d'affichage reste gelé, 0-0. Pour filer droit au but. Bien joué, il va pouvoir repartir. Et il ne résiste pas au contact. Il concède un coup franc. Winks. L'Angleterre qui essaye de construire. Rashford qui file, plein axe. Il a tenté, bien joué. C'est Rashford qui centre. Attention là. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. La bonne passe. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il a stoppé l'attaque adverse. Ou que ça va partir vite. Et il cède sous la pression. Oh, ils l'ont échappé belle. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Oui, il peut frapper là. Oh, c'est loin du cadre. C'était un contre rendement mené, comme vous dites, et avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un but magnifique. Ah, il a trébuché sur cette intervention. Va-t-il en profiter ? Faute. C'est joué long. Il s'impose physiquement dans ce duel. L'arbitre signale une faute. Il le tente. Dans l'espace. Mais ça n'arrivera pas, pas assez précis. Ça part de l'autre côté. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Il cherche la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Ça joue long vers l'avant. Le bon dribble. Il allonge vers l'avant. La passe est précise. Il prend sa chance. Bien repoussé par le gardien. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Foden. Avec Rashford. Il allonge. Danger repoussé pour le moment. Bien travaillé dans la surface. Bon là, ça ne passera pas. Avantage défense. Chilwell reçoit le ballon. Aucun doute, corner en leur faveur. Bien tenté. Il envoie le ballon dans l'axe. Christophe qui cherche la profondeur. Chilwell. Un très long ballon. Sotiriou bien placé sur ce long ballon. Il cherche son coéquipier. C'est joué long. Oh, le bon ballon! Il tente sa chance! Et c'est la pause ici. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté.
L'Angleterre, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. La longue passe. Sotiriou. Christophe. Il relance côté droit. Dans la profondeur, bien vu. Sotiriou, bien servi sur le côté. Il est en bonne position pour centrer. Et il perd l'équilibre. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Sancho maintenant. Oui, bonne intervention de la défense. Il se fait pardonner. Bon, voici Jordan Henderson. Un long ballon vers l'avant. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. C'est bien donné. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Sotiriou peut faire mal s'il est servi. Foden. La passe dans la profondeur. Attention, la frappe! C'était bien joué, dommage! Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Une très longue passe. Il cherche ses attaquants. Bonne lecture de la trajectoire. Non, ça manque d'application. C'est donc un double changement, un par équipe. Il joue en profondeur. Toujours 0-0, le match reste ouvert. L'Angleterre qui effectue donc un nouveau changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est osé. Sterling. Belle passe lobée. Oh, le tacle. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, le duel. Et cette tête! Et il manque le geste décisif. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Il est passé. Il accélère côté droit. Là, il peut centrer. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas.
Ballon intercepté, ça soulage la défense. Un but maintenant et la victoire leur tendrait les bras. C'est joué dans la profondeur. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Le ballon dans la profondeur. Sterling! Oh, le but! Oh, mais alors quel coup de massue! Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire. Une longue frappe qui finit au fond. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui. Sterling, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Zéro. On est reparti. Ils méritent de mener, mais ils vont devoir batailler dur pour conserver leur avance. C'était une bonne intervention. Chilwell. Toujours 1-0 alors qu'on s'approche de la fin de cette rencontre. Il décide d'allonger le jeu. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Dans la profondeur. Bon dégagement, bien joué. Sterling. Il frappe. Que quelques instants à tenir. Sancho maintenant. Il peut y aller. Dommage, c'était la balle du break. Quelle passe. Et ils essaient de repartir de derrière. Ça joue long. La longue passe, il peut en profiter. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Bon time. Votre analyse sur cette rencontre. Un clean sheet et un match gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. Tout le plaisir a été pour moi.